Bon, on va commencer. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup d'être là, malgré la perte d'habitude de consulter les affiches, de venir à des conférences, et je suis heureux que vous soyez là, évidemment. Alors, ce soir, on va aborder un thème qui nous a presque été imposé par une actualité dramatique, dans la mesure où c'est au nom de l'expression d'une liberté. La liberté d'expression, justement, que des hommes et des femmes, non seulement ont risqué leur vie, mais l'ont perdue. Par conséquent, c'est un thème, brûlant. Et sans doute aujourd'hui, la liberté d'expression, mes invités vont évidemment en parler, a pris un peu de plomb dans l'aile. On est davantage sur la retenue. On évite aujourd'hui d'exprimer totalement. Et en même temps, il y a une, comment dirais-je, une fluorescence de la liberté d'expression, puisque tout le monde aujourd'hui s'exprime où il veut, sur les réseaux sociaux. À la moindre occasion, il manifeste son avis, il dit ce que lui ou ce que elle pense. Donc d'un côté, il y a la difficulté de maintenir une liberté d'expression, notamment lorsqu'elle s'adresse à la religion. On a oublié peut-être que dans la littérature philosophique, on peut partir de Lucrèce jusqu'à Marx, en passant par d'Holbach ou d'autres philosophes comme d'autres penseurs comme Freud, par exemple, qui ont fait une critique radicale de la religion. Et aujourd'hui, elle est évidemment plus difficile à maintenir. Et en même temps qu'il y a cette difficulté, il y a une facilité, ce qui est quand même étrange. De l'autre côté, nous avons adjoint l'humour. Est-ce qu'on peut effectivement s'exprimer de façon humoristique contre toute puissance que ce soit, contre Dieu, contre un homme de pouvoir, contre une situation, contre une autorité, contre une dictature, et ainsi de suite? Et là aussi, on voit que l'humour, qui définit de façon, comment dirais-je, telle que Jean Kelevitch ou Bergson le définissent, par exemple, qui paraît être quelque chose de tellement difficile à cerner, de tellement fuyant, de tellement évanescent, s'est lui aussi transformé. L'humour pauvre, humble, a donné, a glissé vers l'ironie, qui elle n'est pas humble, mais qui est humiliante. Il y a la même racine, mais c'est pas le même sens. Et l'humour, dès qu'on tente effectivement de le transformer ou de le capter, immédiatement disparaît. Un peu comme le charmant devient charmeur, quoi, en gros. Et c'est ainsi que l'humour est difficile. Je crois que je me rappelle plus quel écrivain. Sans doute un écrivain britannique, je vais dire ça, ça fait plus sérieux que si je disais un chansonnier napolitain, a dit, il est très difficile effectivement d'analyser l'humour. C'est un peu comme si on voulait faire l'autopsie d'une grenouille. Ça n'intéresse personne et en plus la grenouille elle meurt. Et donc analyser l'humour est très très complexe et on va tenter de voir comment concilier effectivement cette liberté d'expression. J'ajoute juste une de mes préoccupations constantes depuis des années, que la liberté d'expression contient aussi l'expression de la liberté et que le soin aujourd'hui doit aussi porter sur la manière dont on s'exprime et que peut-être toute forme d'expression n'est pas une liberté. Et pour parler de tous ces problèmes, nous avons des invités excellents, Monique Kantos-Perwer, je commence par elle, qui est disons, une amie des rencontres philosophiques, je l'espère, qui est donc philosophe, qui est une grande spécialiste de Platon, de la pensée grecque, mais aussi de la philosophie morale et politique contemporaine. Et là, elle vient de publier deux ouvrages qui sont au centre de ce qui nous intéresse, La fin des libertés, ou Comment refonder le libéralisme chez Robert Laffont, et tout récemment, donc, le livre qui s'appelle Sauver la liberté d'expression, ce qui suppose qu'elle est quand même un peu en danger. Maxime Revers, qui est à ma droite, donc, qui est aussi philosophe, aussi historien de la philosophie, qui est lui un grand spécialiste de Spinoza,
Il avait écrit il y a quelques années, en 2017 ou 16, je ne me rappelle plus, Le clan Spinoza, qui était une sorte de roman non-fiction, si je puis dire. Et il vient de publier aussi deux livres qui ont été assez importants, enfin à mes yeux du moins. Un qui n'a pas l'air comme ça, qui s'appelle « Que faire des cons ?» pour ne pas en rester un soi-même. Et qui est un livre extrêmement sérieux finalement et qui est même assez perspicace. Et ensuite, toujours par rapport à des interactions, il vient de publier « L'école de la vie » chez Flammarion, où il s'interroge sur aussi une question qui est aujourd'hui extrêmement importante, qui est celle de l'enseignement, presque du corps de l'enseignement, le corps de l'élève face effectivement au maître. Et donc on est ravis effectivement qu'il soit là aussi, alors qu'il enseigne à Amsterdam, je crois. Et quelqu'un que vous connaissez sûrement mieux ici, donc c'est l'abbé Christian Vénard, qui est aussi un ami des rencontres philosophiques, qui nous a suivis souvent, soutenus, et dont nous avons apprécié aussi les interventions au cours de nos ateliers. Donc il a fait des études de droit, d'histoire, de philosophie aussi à Rome, et des théologies, ça je sais pas la peine de le souligner. Et aussi, il était pendant dizaines d'années, je crois, même deux dizaines d'années, aumônier militaire dans l'armée française, donc essentiellement chez les parachutistes. Et aujourd'hui, il s'intéresse effectivement aussi à Monaco. Il a un rôle essentiel que tout le monde connaît. Voilà, je vais commencer par donner la parole à Monique, qui va nous parler des libertés. Sont-elles en danger? Qu'est-ce que la liberté d'expression? Comment la sauver? Et quels sont les dangers qui la guettent? Si chaleureux. Merci à tous pour votre présence. C'est un grand plaisir pour moi d'être de nouveau sur cette scène, si je puis dire, 2 ans après ma dernière venue ici et pouvoir amorcer une discussion, alors qui portera pour ce qui me concerne essentiellement sur la liberté d'expression, même si évidemment j'évoquerai la question plus générale des libertés. Robert Maggiore a très gentiment évoqué le livre que je viens de publier. Je voudrais, si vous me permettez, vous montrer la couverture parce que d'une certaine manière elle dit tout. Vous voyez cette image, ce bas de visage, ce sourire serein et ce cadenas posé sur les lèvres. C'était inspiré par une couverture de la revue The Economist, qui est un numéro d'il y a 6 ou 7 ans, qui m'avait beaucoup impressionnée. C'était le moment où je commençais à réfléchir à cette question. Et je l'ai un petit peu arrangée, recadrée, dégenrée, en quelque sorte, même si ça reste assez masculin. Mais ça l'était encore davantage. Et afin de au fond, décrire toute l'ampleur du problème. Un cadenas sur la bouche, réduit au silence. Est-ce qu'on vous a fait taire? Est-ce que vous avez choisi de vous taire? Il n'y a aucune souffrance, aucun signe de mutilation. C'est juste comme ça. Et d'une certaine façon, cette image a guidé ma réflexion sur la liberté d'expression. Il me semblait que la liberté d'expression était prise dans un étau entre deux courants qui semble à première vue s'opposer, prise en otage entre deux tendances. La première tendance, qui est aujourd'hui très présente, c'est la revendication d'une parole libérée. On peut tout dire. Si vous feuilletez, et même si vous regardez simplement les couvertures du Figaro Magazine, du Point, parfois même de l'Express, c'est un titre qui revient sans arrêt. On ne peut plus rien dire. Donc la revendication d'une parole libérée, qui est tout à fait bienvenue, quand elle contribue à donner voix aux opinions minoritaires, tout à fait bienvenue quand elle ouvre des débats et en effet qu'elle sort du consensus de ce qu'on appelle la bien-pensance ou l'opinion dominante, mais qui parfois aussi revendique la liberté d'expression pour excuser des propos qui sont à la limite du racisme et de l'antisémitisme sous prétexte que eh bien, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les gens pensent et c'est ce qu'il faut pouvoir exprimer. Ça, c'est la première tendance qui déjà indique une forme de détournement ou d'instrumentalisation de la liberté d'expression. L'autre tendance opposée, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler les nouvelles formes de censure propres à aujourd'hui.
Vous avez sans doute tous lu ces récits sur des universitaires qui étaient interdits d'expression dans les universités, sur des statues comme celles qui étaient exposées de l'artiste Simon, qui étaient des hommes nus se prenant en selfie. On a considéré que ce n'était pas du tout une chose qui pouvait être montrée, vous vous rendez compte, en 2019. Donc, on a demandé à l'artiste de mettre une sorte de monokini là, sur le sexe de ces statues, ce qui fait que leur sexe a attiré l'attention beaucoup plus que ça n'aurait été le cas s'ils les avaient laissées telles quelles, d'autant qu'elles tenaient toutes un téléphone portable. Et d'autres, vous avez sans doute entendu parler de l'interdiction de la représentation de la pièce d'Eschyle à la Sorbonne à l'automne 2019, parce que Philippe Brunet, le metteur en scène, pour évoquer le monde abyssinien, le monde, le côté noir de la Grèce, avait maquillé ses acteurs avec des couleurs ocre foncé, presque rouge noir. Vous avez certainement entendu parler de l'initiative du metteur en scène Moscato, qui, au théâtre de Naples, il y a 2 ans, a décidé de changer la fin de Carmen, parce que il ne voulait pas qu'on applaudisse la mise à mort d'une femme. Ça se passe au dernier moment de l'opéra. C'est en général un tonnerre d'applaudissements. Ce n'était, selon lui, plus possible. Donc, dans sa mise en scène, Carmen tuait Don José. Sans doute a-t-il oublié de lire l'extraordinaire passage de Nietzsche dans Zarathoustra, où Nietzsche évoque la fin de Carmen en parlant de cette profusion de lumière, de sang et de noir, et cette revanche absolue de la puissance de la femme dans la mort même, parce que la fin de Carmen, c'est pas simplement la mort de Carmen, c'est toute autre chose qui sont portées par l'intrigue et qu'on ne peut pas modifier comme Moscato l'a fait. Donc ces formes de censure qui considèrent qui pour le plus souvent émanent de mouvements d'opinion, qui exercent pression, intimidation, et qui, d'une certaine manière, s'attribue le droit de décider de ce qu'on peut dire et de ce qu'il faut taire. Rien d'autre, en quelque sorte, qu'une privatisation du droit de parler. On ne parle plus dans les limites que la loi définit, mais on parle dans la mesure où un public indifférencié, aux formes absolument illimitées, agité par toutes les passions, par tous les interdits, par tous les préjugés, on ne parle plus que dans l'espace où ce public décide que l'on peut parler. Donc, c'est une forme de censure véritablement redoutable. Mais vous me direz, comme c'est étrange, 2 tendances complètement opposées, mais donc qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Eh bien, justement, l'intérêt, enfin, le défi pour moi et ce qui a été à l'origine de ce livre, c'était d'essayer de montrer qu'il y avait une forme de complicité entre les deux, même si elles, en effet, elles prennent des allures tout à fait opposées. Parce que l'une et l'autre, en fait, visent à aboutir au même résultat, qui est ce qu'on pourrait appeler une emprise sur la parole, une forme d'hégémonie sur la parole. Ceux qui disent « on ne peut plus rien dire », mais nous, on va vous la dire, la vérité, sous-entendent tout le reste, c'est non pertinent. Volonté de préempter l'ensemble de l'espace public ou de la parole publique avec un seul type d'opinion. Ceux qui disent « on ne peut plus rien dire », ne disent pas « voilà une idée qu'on n'entend plus, discutons-en si vous voulez bien ». Ce n'est pas ça, c'est « on ne peut plus rien dire, mais nous, nous disons la vérité précisément parce qu'on nous force à la taire et que c'est ce que tout le monde pense ». Alors, on occupe tout le terrain et c'est comme ça. Et ceux qui, évidemment, défendent ces nouvelles formes de censure, eux, comme je vous l'ai dit, estiment que ce qu'il y a à dire, c'est à eux de les définir une autre forme d'hégémonie. Donc, deux volontés d'emprise sur la parole publique qui contribuent eh bien, à désintégrer complètement la liberté d'expression. Parce que qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? C'est en effet le droit de parler dans tout l'espace de ce que la loi ne sanctionne pas. Alors, bien sûr, il y a de très nombreuses questions et j'y consacre 2 chapitres dans mon livre sur ce qui justifie les limites que la loi a mises à la liberté d'expression. Mais en se tenant dans cet espace-là du disciple non sanctionné par la loi, quel est le bienfait de la liberté d'expression? À quoi sert-elle? Eh bien, elle sert
à une seule chose. Au fond, si on me demandait, mais à quoi ça sert la liberté d'expression? Pourquoi accordons-nous tant de prix à la liberté d'expression? J'aurais une seule chose à répondre pour que la conversation continue, pour que nous soyons toujours confrontés à un diable, pour qu'il y ait toujours en face de nous quelqu'un qui ait une opinion différente de la nôtre et que nous ayons le plaisir de discuter, soit pour savoir pourquoi nous nous opposons, soit pour finir par nous convaincre mutuellement et nous mettre d'accord sur une façon de voir les choses. La liberté, c'est ça, c'est la possibilité de donner la parole à tous, et y compris à ceux qui pendant longtemps n'ont pas eu accès à la parole pour des raisons sociales, politiques, qui n'avaient pas accès à la parole, dont la voix n'était pas audible, donner la parole et s'engager avec cette parole à entrer dans le débat, à échanger, ce qui signifie à la fois enrichir le débat commun, mais accepter aussi la discussion, accepter qu'il reste quelque chose comme un langage commun grâce auquel nous pouvons nous entendre. Ça me paraît un enjeu fondamental et quelque chose qui doit être défendu pied à pied par chacun de nous, parce que cette conviction, cette certitude est extrêmement menacée. Alors, ça peut paraître assez banal comme défense de la liberté d'expression, mais lorsqu'en tant que aussi historienne des idées, ce qui est un peu ma spécialité, on se penche sur cette notion, on est placé en face d'une évidence, et je vous avoue, en dépit du fait que je me suis quand même occupée de choses philosophiques dans une partie de ma vie, pendant une partie de ma vie, j'ai été moi-même extrêmement surprise de n'y avoir jamais pensé avant, c'est que cette idée qui nous est si chère de la possibilité de parler, c'est une idée toute nouvelle. Au XVIe siècle, on aurait trouvé la liberté d'expression, c'est-à-dire à la fois la liberté d'exprimer ses idées d'une part, mais l'obligation morale de tolérer l'autre qui exprime ses idées, l'expression qu'ont les autres, on aurait trouvé cela totalement irrationnel. Parce que lorsqu'on a les moyens de faire taire quelqu'un en particulier qui dit des choses désagréables à votre sujet, eh bien on le fait taire. Il n'y a aucune obligation morale à écouter ce qu'il a à dire. C'était de cette façon-là, d'une certaine manière, comme un rapport de force en quelque sorte, que la question de la liberté d'expression était posée. Alors on pourrait répondre, mais il n'y avait pas de liberté d'expression alors. Mais oui, il y avait une liberté d'expression. La liberté d'expression, elle existe depuis l'Antiquité, mais pas comme nous l'entendons. La liberté d'expression existait comme des droits de parler, comme des libertés d'expression, des libertés au pluriel, pour des personnes particulières, des groupes sociaux particuliers, dans des circonstances particulières, dans certains régimes de parole, la liberté des parlements, la liberté des corporations, la liberté même du bouffon, du roi, qui pouvait dire ce qu'il voulait. Toutes les libertés étaient attachées à une histoire en général de combat, de lutte. Donc c'était des libertés historicisées, enracinées dans des justifications et des histoires. Le tournant radical, les deux tournants radicaux, si je puis dire, en matière de liberté d'expression, ça a été d'une part à la fin du XVIIe siècle, comme conclusion philosophique des guerres de religion, si je puis dire, et conclusion philosophique de cet incroyable défi pour la pensée qu'a été l'hérésie au sein du christianisme, c'est-à-dire la réforme. Donc les incroyants, les infidèles étaient ceux qui n'avaient pas eu accès à la révélation. Ça pouvait passer, voilà, comme disait Augustin, la tolérance n'était qu'une concession. Mais lorsque l'hérésie, en quelque sorte, la pensée hérétique, se faisait au sein même du christianisme, pour ceux qui avaient eu la révélation, elle était particulièrement difficile à penser. Et on pouvait parler d'intolérance par amour, d'une certaine manière, il s'agissait de sauver leur vie en assurant leur salut, donc peu importe si on les brûlait pour cela. Mais l'idée de l'obligation morale, qui a été définitivement, en quelque sorte, élaborée philosophiquement par Pierre Bayle à la fin du XVIIe siècle, l'obligation morale de respecter la croyance religieuse de l'autre, quelle qu'elle soit, parce que d'une certaine façon, cette croyance et l'adhésion sincère à la croyance est une forme de don de Dieu. Donc, persécuter cela, même si cette croyance est fautive, et Bayle, comme Locke d'ailleurs, était convaincu qu'il y avait une seule vraie religion. Hein. On n'est pas du tout dans le relativisme. Mais à l'intérieur de cette unique vraie religion, la manière dont elle est élaborée conceptuellement, la nécessité de respecter la croyance hérétique est quelque chose de vraiment prodigieux. Ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été évidemment la révolution démocratique qui, en faisant du gouvernant, du pouvoir politique,
l'émanation du peuple souverain, d'une certaine manière, distribuer la liberté d'expression à tout le monde. Chacun a le droit de critiquer son gouvernement, puisqu'il en est parti d'une certaine façon. Mais ça, cela valait pour la liberté de conscience, pour la liberté politique. Il reste la liberté d'expression au sens courant, enfin celle que nous employons dans les journaux, lorsque nous parlons, lorsque nous nous critiquons, lorsque nous publions des pamphlets, etc. Cette liberté d'expression-là, étrangement, elle a été positionnée comme un droit de l'homme par la Déclaration des droits de l'homme. Article 10, nul ne sera inquiété sur ses opinions. Article 11, chacun peut exprimer ses opinions dans les limites définies par la loi. Elle a été acquise comme un droit de l'homme, comme une forme de liberté universelle, donc rien à voir avec ce que j'ai appelé tout à l'heure les libertés au pluriel, qui étaient toujours attachées à des conditions, à des histoires, donc liberté universelle. Mais elle a été établie de manière un peu bancale, parce que autant le fondement théologique qui était à la base de la liberté de conscience était solide, autant le fondement qui est à la base de la liberté de tout dire, il est extrêmement, disons, peut-être pas incertain, mais en tout cas, il est toujours à expliciter, d'où la question qui revient sans cesse, mais quelles sont les limites légitimes de la liberté d'expression ? La loi les fixe, on les connaît, la pornographie infantile, les fausses nouvelles, bien sûr, et puis de manière plus précise, les injures, les diffamations, la provocation à la haine. Mais vous voyez bien, d'abord, que la loi, la justice, n'est plus la seule à faire la loi, si je puis dire. Les réseaux sociaux font la loi d'une manière nettement plus efficace que la justice, parce qu'ils y répondent tout de suite. En justice, en France, du moins, il faut un an et demi pour régler une affaire, pour qu'une affaire passe au tribunal. Les réseaux sociaux, eux, sont expéditifs. La justice demande, demande à la personne incriminée de s'expliquer, de donner ses raisons. Les réseaux sociaux règlent tout de suite l'affaire. On ne veut surtout pas entendre la justification, la défense de celui qu'on attaque. Donc, c'est une justice forfaitaire, une justice, si je puis dire, en tout cas, c'est une loi qui s'applique de manière forfaitaire, préventive. Et la justice, lorsqu'elle intervient un an et demi après, elle peut réparer les torts qui ont été faits à une personne injuriée ou diffamée. Mais elle ne redonnera jamais la parole à celui qu'on a fait taire. Donc, d'une certaine façon, la justice ne peut pas suffire et de toute façon, elle est totalement débordée aujourd'hui par cette espèce de loi immanente qui veut imposer ses règles à tout le monde. Donc, cette question des limites de la liberté d'expression est plus que jamais ouverte. Elle est d'autant plus ouverte que toutes les... La réflexion philosophique sur la liberté d'expression qui a reçu en fait son heure de gloire dans le 19e siècle libéral autour des œuvres de Tocqueville, de John Stuart Mill et ensuite en France des lois de la presse de 1880. Songez que c'était il y a un siècle et demi, cette extraordinaire armature juridique et philosophique et en particulier le fameux critère de John Stuart Mill dans son livre sur la liberté. John Stuart Mill dit « Toute parole doit être prononcée, il n'y a pas de censure, sauf si cette parole fait un tort objectif à autrui. » Cette notion de tort objectif fait à autrui, c'est une très belle idée. Vous publiez, 10 000, un article qui appelle à la disparition des négociants en grains. Bon, on est au milieu du 19e siècle. À la disparition des négociants en grains, vous les traitez d'affameurs du peuple, d'assassins du peuple. Vous publiez ça dans un journal, on ne peut pas vous le reprocher, vous donnez votre opinion. En revanche, vous prenez cet article et vous le placardez sur la porte de la maison d'un négociant en grains devant une foule affamée prête à en découdre, vous le condamnez à mort. Donc l'expression est là une menace de mort. Et ça, c'est une chose inadmissible aux yeux de Mill. Donc toute opinion peut être tolérée, sauf lorsqu'elle est la cause directe d'un tort objectif fait à autrui. Mais à cette époque-là, ceux qui avaient accès à la parole publique étaient très peu nombreux. Tous étaient des personnes éduquées. Quelle que soit la diversité de leur point de vue, athée, pas athée, marxiste, pas marxiste, ils partageaient tous les mêmes codes de langage. Et l'idée d'un langage commun ne faisait pas le moindre doute. Il n'était pas question de revendication, de reconnaissance d'identité, de genre. Il n'était pas question de fragmentation et d'incommunicabilité.
Et d'une certaine façon, aujourd'hui, il n'en est pas du tout de même. La parole est distribuée à tout le monde, pas à un petit nombre, comme Robert l'a admirablement rappelé. Les questions de reconnaissance, de légitimité du droit de parler sont omniprésentes. Certains même doutent de l'existence d'un langage commun. D'autres voudraient que ce langage porte la marque de leurs idées. On nous demande ainsi systématiquement de genrer, comme on dit aujourd'hui, la langue que nous parlons, de supprimer certains mots, de paraphraser certaines expressions. Bref, certains voudraient que la langue, au fond, reflète leurs valeurs et pas nécessairement les valeurs des autres. Donc, toutes ces questions restent ouvertes. Là, pardonnez-moi, je fais qu'est-ce qui c'est le débat parce que j'ai des réponses à apporter sur les questions que je pose, mais je m'en resterai là pour que vous voyez que d'une certaine manière, la liberté d'expression est sans doute une des choses les plus extraordinaires en termes d'intelligence collective, de création collective, mais son usage n'est pas encore réglé, à mon sens. De plus, elle est menacée par des dangers de sortes différentes et il dépend de nous de la défendre. Comment ? En intervenant sur les réseaux sociaux, certainement, en intervenant dans le langage commun, en définissant de manière plus rigoureuse et plus profonde les limites légitimes. Enfin, c'est un considérable travail qui est à accomplir. Puis, je vous donnerai mes réponses, mais je serai très heureuse de participer à la discussion. Il y a déjà énormément de questions, rien de dans ton intervention. On va d'abord écouter nos deux autres invités, puis ensuite on parlera tous ensemble. Christian, à toi. Alors, je suis très impressionné de parler entre deux philosophes, ne l'étant pas moi-même, en tout cas pas de profession. Et le moins que l'on puisse dire, je pense, c'est dans l'opinion publique, l'humour, la religion et la liberté d'expression ne font pas très bon ménage. C'est dire ce soir, j'ai un peu l'impression, même si je ne porte pas l'habit dominicain, d'endosser un peu les oripeaux de Torquemada en étant religieux, prêtre, ici. Pourtant, je vous assure, en tant que prêtre, je n'ai rien contre l'humour. Mes amis pourraient en témoigner. Et par ailleurs, la liberté d'expression me semble, comme pour chacun d'entre nous, un des biens les plus précieux que nous puissions posséder et que l'on puisse nous retirer. Alors, nous comprenons bien à quel point la question de l'humour et de la religion s'est posée à nous tous ces dernières années d'une manière très différente avec les crises, voire les horreurs engendrées après l'apparition des fameuses caricatures de Mahomet. Alors, n'étant pas musulman, vous vous en étiez rendu compte, je ne vais pas m'engager sur la réponse que l'islam pourrait apporter à une telle question. En tant que catholique, je peux témoigner néanmoins que ces crispations et ces violences issues de l'apparition de ces caricatures ne peuvent qu'interroger et inviter à la réflexion. Alors, avant d'aller plus loin, il est sans doute bon de noter la différence qu'il peut y avoir entre le rire et l'humour. La Bible est traversée d'humour, pas forcément de rire. Il y a beaucoup d'exemples, notamment de jeux de mots dans la langue hébraïque ou grecque, dans la Bible. Les auteurs spirituels chrétiens, les saints, ont souvent fait preuve de beaucoup d'humour. Faut-il rappeler, tel que il nous est rappelé, le martyr de Saint Laurent, qui, étant mis sur une grille à chauffer sur le feu, s'écrie, nous dit le narrateur au bout d'un moment, « C'est bon, c'est assez cuit de ce côté-là, retournez-moi. » Donc il y a de l'humour. En revanche, nous notons bien, et nous le savons, que jusqu'à une période récente, le rire était mal vu. Pas seulement dans la religion, mais aussi, je crois, d'une manière générale, dans la bonne société. Il y a eu pas mal de monographies qui ont été faites là-dessus. Nous connaissons les origines de ça, l'hygiène dentaire, et ses conséquences souvent désastreuses autrefois, avaient développé dans les sociétés occidentales une certaine interdiction de montrer ses dents, d'ouvrir la bouche, donc de rire. Et certaines interdictions esthétiques, il en a découlé une certaine aversion pour le rire, et la plupart du temps dans l'iconographie, dans la littérature en général, le rire est lié au personnage histrionique ou vulgaire. Et la religion, en tout cas je parle de la religion chrétienne, a évidemment, qui vit avec son temps, a été très influencée par cela.
Alors, c'est sûr que dans cette question du rire, de l'humour, de la liberté d'expression, dans la sphère du religieux, pose toujours une question, parce qu'elle se heurte, en tout cas au moins dans le christianisme, à un commandement majeur qui est le commandement de charité. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Le fait de savoir tenir sa langue, pour prendre un langage de la Sainte Écriture, de mettre une garde sur ses lèvres, est considéré comme une vertu éminente. Saint Benoît en fait même un des éléments clés avec l'humilité pour la sainteté du moine. Et en effet, dans la tradition chrétienne, l'usage de la langue, surtout s'il s'agit de pointer les travers, les défauts d'autrui, peut s'avérer extrêmement dangereux, voire mortel. Repensons tout simplement à l'image prise par Jésus de la paille et de la poutre. Que vas-tu donc retirer la paille de l'œil de ton prochain alors que le tien est rempli d'une poutre? Et bien sûr, quand il s'agit de parler de Dieu, de Jésus, le chrétien est d'abord invité à un discours d'amour qui, s'il n'interdit pas toute forme d'humour, est toujours limité au risque du sacrilège par la révérence et l'adoration due à la divinité. Et cela existe bien sûr par le fait même de l'incarnation. Il y a donc une particularité en plus. Un Dieu qui se fait homme, dans la foi chrétienne, prend non seulement le risque, dans son humanité, dans sa vie terrestre, d'être lui-même exposé, on se moque de lui pendant sa passion, hein, et jusque dans sa mort, si tu es Dieu, descends de cette croix. Mais je dirais que au-delà de cela, pendant les siècles qui suivent, du fait même de cette humanité, Dieu accepte d'une certaine manière la moquerie, qu'évidemment une transcendance éthérée, sans visage et sans nom, lui éviterait. J'aime beaucoup à ce sujet un petit livre de Didier Decoing qui s'appelle « Un Dieu qui riait ». Tout n'y est pas spécifiquement catholique, mais il est beau de voir comment un auteur, un écrivain, essaye de reprendre les passages de l'Évangile en nous montrant à chaque fois comment Jésus met de l'humour dans son enseignement. Dans le catholicisme, je crois qu'il est apparu très vite une espèce de distanciation néanmoins par rapport au discours religieux. Nul n'est gêné aujourd'hui d'évoquer la toute première représentation du Christ en croix, le fameux graffiti d'Axel Amenos, qui représente pourtant le Christ d'une manière très caricaturale, puisque c'est un âne sur une croix avec le graffiti pour se moquer. Voilà le dieu, je ne me rappelle plus le nom du personnage qui est cité, bien de Axel Amenos. C'est dire pendant très longtemps, avant de se trouver en position dominante dans l'Europe chrétienne, le catholicisme a connu, subi des caricatures, des moqueries, etc. Des attaques qui vont revenir ensuite sur le devant de la scène, en particulier à partir de l'époque des Lumières, une forme de libre pensée, même si on en trouve des origines dès le Moyen-Âge, je pense à la messe des joueurs dans les Carmina Burana, ou plus tard chez Rabelais, et avec quel humour. Donc il y a une autocritique, une autodérision qui est tout à fait possible à l'intérieur même du religieux, et heureusement. Depuis le XVIIIe siècle, le christianisme, au moins en Europe, est sans doute la religion la plus ouvertement critiquée, caricaturée, parfois vilipendée, c'est un juste retour, je le pense, de la position dominante qu'il a occupée dans la sphère publique pendant des siècles. Alors avant d'aller plus loin, la question sous-jacente du blasphème, je voudrais faire un survol de celle, et je ne vais pas reprendre parce que vous en avez déjà très très bien parlé, simplement peut-être donner ce que, en tant que, avec une vision de théologien catholique, l'expression de parole, prendre la parole, nécessite un discernement, et un discernement qui est complexe, vous l'avez évoqué. La Bible nous le rappelle en nous invitant à tourner toujours cette fois notre langue dans notre bouche avant de parler. Ce discernement est complexe parce que il commence par « qui suis-je pour parler ? Quelle est ma crédibilité, ma notoriété ? À qui vais-je parler ? À qui ai-je envie de parler ? Pourquoi vais-je parler ? Mon discours, mon dessein, sera-t-il utile ? Apporte-t-il quelque chose de bon ? Autant d'expressions particulièrement difficiles à discerner. Si je fais le choix, par l'humour, d'une forme de provocation, jusqu'où puis-je aller ? Vous venez de l'évoquer. Puis-je blesser ? Et si je reprends la définition, si je ne me trompe pas, première du blasphème,
Le blasphème est bien ce qui blesse le corps social. D'ailleurs, dans l'Ancien Régime, je parle sous votre contrôle, vous me corrigerez parce que ça n'est vraiment pas ma spécialité, mais dans l'Ancien Régime, le blasphème est condamné, est très fermement condamné, parce que l'on pense dans la foi qu'il attire un châtiment de la part de Dieu. Et donc, le roi, très chrétien, se doit de réprimer le blasphème pour éviter le châtiment de Dieu sur l'ensemble du corps social. Dans l'Antiquité, le blasphème est lié à la dimension religieuse du pouvoir, de la cité, de l'empereur plus tard, qui est divinisé. La liberté d'expression, d'une certaine manière, n'a en soi aucune limite, en soi. Elle n'en a que, finalement, dans cette finalité discernée. C'est normalement à l'individu qu'il revient, par lui-même, dans un monde idéal, de se fixer des règles en fonction de ce discernement. Or, nous constatons que la société pose, vous l'avez évoqué aussi, des limites à la liberté d'expression par le droit, parce qu'il estime, c'est en tout cas ce que je crois avoir discerné, qu'il y a des éléments sacrés. Sacrés non pas dans le sens strictement religieux, mais dans le sens des éléments auxquels on ne doit pas toucher, parce que ces éléments constituent la société. Ils permettent un vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. Ces éléments, je me suis amusé à regarder un petit peu pour nous ici à Monaco, est-ce que le droit pénal condamne le blasphème. Il n'y a aucune mention du blasphème dans le droit pénal monégasque, alors que nous avons ici le statut pour le catholicisme de religion d'État. Aucune mention. En revanche, j'ai trouvé un article qui condamne les outrages qui seraient faits aux princes. Élément constitutif de notre vivre ensemble ici à Monaco. Dans la loi française, il me semble discerner un peu la même chose dans ces empêchements de parole qui nous sont donnés. Ce que je trouve le plus intéressant, au-delà de la critique qu'on peut éventuellement émettre, pourquoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est de voir l'évolution, et je ne prendrai que quelques exemples, tous liés à la question de la Shoah. Est-ce qu'aujourd'hui, un humoriste pourrait reprendre le fameux sketch de Desproges sur le juif? La réponse est évidemment non. Pourrait-on aujourd'hui filmer, c'est intéressant s'il y a du débat, pourrait-on filmer à nouveau un film comme La vie est belle? Quand on voit déjà les débats au moment où le film est sorti, est-ce qu'on peut faire une œuvre poétique avec des éléments d'humour pour parler d'un tel sujet? Plus globalement, est-ce que Rabbi Jacob pourrait être encore tourné aujourd'hui? On sent qu'il y a des éléments, à juste titre, qui nous blessent, qui blessent le corps social. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que ces éléments ne sont plus forcément religieux. Ils touchent à une autre dimension du sacré, de ce que nous estimons sacré. Cela pose la question de qu'estimons-nous donc de sacré qui mérite que nous réfrénions notre socialement, tous ensemble, notre liberté d'expression. Je voudrais terminer rapidement ces quelques éléments que je fais vraiment que survoler en pensant que l'Église aujourd'hui a souvent un discours qui est disruptif par rapport à la pensée dominante et en particulier dans des domaines aussi sensibles que les domaines bioéthiques, de l'éthique, ou d'une manière plus générale, tout ce qui touche un peu à l'anthropologie, l'Église portant un discours anthropologique extrêmement classique, hérité de la pensée grecque essentiellement. Et donc, je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'Église, qui pendant très longtemps a été conçue comme une force d'oppression, à juste titre ou pas, et sans doute à juste titre à certains points de vue, et sans doute de manière exagérée par l'historiographie du 19e siècle et du début du 20e siècle. Aujourd'hui, cette Église se trouve plus souvent en position d'aider à défendre la liberté d'expression à travers le monde, et je trouve ce changement extrêmement intéressant. On le voit très bien d'une manière radicale dans la façon dont les papes ont condamné plus que fermement les droits de l'homme que vous évoquiez, et comment, avec le temps qui passe, et notamment au XXe siècle, je pense tout spécialement à un pape comme Jean-Paul II, qui avait connu deux totalitarismes dans sa vie, celui du nazisme et celui du communisme, comment les papes sont devenus les chantres,
en quelque sorte, des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Volte-face, diront certains, accomplissement, peut-être, diront d'autres. Voilà, c'était un très rapide survol sur cette question, évidemment toujours brûlante pour nous, religieux, du rapport entre humour, liberté d'expression et religion. Très concret. Après, on reviendra peut-être sur cette histoire, enfin cette histoire, c'est pas une histoire, de la blessure comme limite. Parce que précisément, tu parlais de privatisation aussi, du droit de parler. Il y a aujourd'hui une sorte d'extension du domaine de la blessure, dans les deux sens, blesser et être blessé. Il y a des groupes de gamins qui, je sais pas, je prends un exemple débile, qui... Après une chanson d'un protagoniste de The Voice qui chante avec Louane, comme ça, chante une chanson très jolie, sauf que le type est noir, il est un peu gros. Ils ont été, mais tu peux pas savoir, injuriés parce qu'ils étaient avec un petit embonpoint. Donc là, l'extension du domaine, personne, je crois, avait l'impression de blesser. Et là où ça fait problème, on en reparlera tout à l'heure ensemble, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de crimes sans criminels. Il y a de gens qui pensent qu'en exprimant leur opinion, ils ne blessent personne, alors qu'ils ne font que blesser tout le monde. Et c'est là qu'il y a effectivement un vrai problème aujourd'hui sur l'expression elle-même, avant précisément la liberté. Mais on reparlera peut-être tout à l'heure, j'ai envie d'entendre quand même avant Maxime. Merci. C'est intéressant d'être le troisième à parler puisque ça me permet d'entrer sur les terrains de mes camarades. Et je voudrais peut-être commencer après les remerciements immenses que j'ai envie de faire à Charlotte, à Laura, à Robert et à mes camarades de débat. Je voudrais commencer par une réflexion de touriste romain, puisqu'en fait, après avoir été en résidence à Amsterdam, j'habite désormais à Rome. Et dans les églises de Rome, on est souvent frappé, et en particulier dans Saint-Pierre, mais dans presque toutes les églises, en particulier du XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment où la contre-réforme bat son plein, par la présence de ces petits anges qui font des bêtises partout. Et qui touche aux choses les plus sacrées qu'on puisse concevoir dans l'Église, c'est-à-dire souvent, c'est ça que je me suis mis à traquer ces derniers mois, aux instruments de la Passion, donc les clous du Christ, la croix parfois, la couronne d'épines, et qui joue avec. Et lorsqu'on commence à regarder où sont les putti, comme on les appelle en italien, donc ces petits enfants, et ce qu'ils font, ce qu'ils fabriquent dans les églises, on s'aperçoit qu'ils font toutes les bêtises qu'on imagine absolument inconcevable, puisqu'ils détachent les roses des autels pour les regarder, pour les dépecer, les effeuiller. Encore une fois, ils jouent avec les instruments de la Passion, ils soulèvent les couvertures là où elles sont censées tomber en drapé majestueux, ils sont derrière, etc. Donc, réfléchir sur l'humour, ça m'a donné envie... depuis Rome, au moment où je réfléchissais à ce que j'aurais envie de dire ce soir, d'attirer l'attention sur le sens de ce qu'en anglais on appelle « playfulness » et que j'ai des difficultés à traduire en français, mais peut-être quelque chose comme esprit de jeu, quelque chose comme une légèreté qui serait absolument indispensable, y compris et surtout dans les contextes où quelque chose pèse, quelque chose est vécu comme étant grave. Évidemment, le sacrifice d'un dieu devenu humain, c'est pas exactement léger, c'est-à-dire ça a des enjeux extrêmement forts, et pourtant, à une certaine période, il est jugé intéressant ou même indispensable de compenser en quelque sorte le sérieux ou la gravité ou la sacralité de ces représentations par la présence, enfin par ces présences plurielles, adorables et toujours donc amusantes. C'est très fort dans Saint-Pierre parce que Saint-Pierre de Rome, évidemment, par ses proportions, par son dessin, est un bâtiment qui pourrait, enfin qui évidemment manifeste une grande majesté. Mais en fait, cette majesté, elle ne pèse pas
précisément parce qu'on a pensé à y placer ces éléments justement d'humour. Donc, se raccrocher au Pouty pour penser la place de l'humour dans les contextes les plus tendus, justement lorsque de la souffrance en fait est engagée, ça me paraît une manière de réfléchir sur ce qui fait notre humanité. Or, avec les enfants, on a quelque chose de l'humanité qui défie pas seulement l'esprit de sérieux, mais aussi, je dirais, une certaine exigence d'intelligence, puisque, j'insiste, ces petits de marbre font des bêtises. Ils font vraiment des bêtises que leurs parents d'aujourd'hui ne laisseraient jamais faire. Et c'est sur ce registre de la bêtise que, justement, je voudrais revenir sur un des enseignements majeurs de Pierre Bayle. Donc, à la fin de ce fameux XVIIe siècle, Pierre Bayle, s'il plaide pour la tolérance dont nous avons parlé, c'est d'abord parce qu'il conçoit un découplage tout à fait intéressant entre les croyances et les actes. C'est dans un livre qui s'appelle « Penser sur la comète » où Bayle explique que de toute façon, il n'y a aucun intérêt à poursuivre les gens pour leurs croyances, du fait que, en réalité, quelles que soient leurs croyances, leurs actes n'y sont pas corrélés. Et donc, il y a plusieurs chapitres des Pensées sur la comète qui sont consacrés à démontrer pourquoi, en fait, les croyances ne déterminent pas de manière mécanique des comportements. Et avec toute l'intelligence et la subtilité de l'immense philosophe qu'il est, Bayle ne montre pas qu'il n'y a pas de rapport, évidemment il y a un rapport, mais que ce rapport n'est pas automatique, de sorte que si vous voulez corriger les comportements des humains, en particulier si vous voulez faire en sorte qu'ils tiennent en une société unie, ce n'est pas vers les croyances qu'il faut se tourner, mais directement vers les conditions qui déterminent les comportements. Donc c'est très intéressant puisque son idée est de dire au fond, non pas laisser les idées de côté, mais plutôt laisser les idées en roue libre, précisément parce que ce qui se joue dans la société, c'est du concret, c'est-à-dire ce sont des comportements et les effets de ces comportements. Pas les idées et les effets des idées qui, eux, se perdent, peuvent être frustrés, comme on dit, ou noyés, ou au contraire, se déployer. On en a eu un exemple tout à l'heure pris de John Stuart Mill. Donc, au fond, dans la question de la liberté d'expression et de son articulation avec l'humour, on aurait le moyen d'ouvrir en quelque sorte un champ absolument libre ou, je dirais, indifférent, c'est-à-dire qui est découplé de la gravité des actes dans la mesure où les actes même sont reconnus comme le seul espace où réellement il convient de légiférer, de faire preuve de sérieux. D'ailleurs, j'insiste, les poutis dont je parlais tout à l'heure ne sont pas exactement des enfants, ce sont des sculptures. Ce n'est pas exactement pareil. Ça veut dire qu'en effet, peut-être que les reliques dans ces mêmes églises, on n'aurait pas laissé les enfants jouer avec. En revanche, représenter cette playfulness, cet esprit de jeu, c'est justement le moyen de dire, attention, les actes comptent, mais il y a un espace de pensée qu'il est indispensable de laisser, je dirais, à volo. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est que quand on regarde les pères ou les grands-pères, en tout cas les philosophes fondateurs de la liberté d'expression telle qu'elle s'est constituée à l'époque moderne, on s'aperçoit que l'idée de penser, enfin la possibilité de penser n'importe quoi est absolument fondamentale. Chez Spinoza, par exemple, dans le traité théologico-politique, si Spinoza défend la liberté de philosopher, il le fait avec des moyens tout à fait étonnants, puisqu'en fait, son idée, c'est que quel que soit l'idée que chacun se fait de Dieu, cela n'a aucune espèce, d'ailleurs de chacun d'entre nous, dit le texte. Ça veut dire qu'il inclut même les philosophes et il s'inclut même lui-même. Quelle que soit l'idée que chacun de nous se fait de Dieu, cela n'a aucune espèce d'importance en ce qui concerne la foi. Puisque la foi, Spinoza la déplace en fait
d'un espace de croyance, d'adhésion intellectuelle, pour la placer dans une pratique qu'il résume à deux termes, amour et charité. Donc, évidemment, Spinoza, c'est avant Bayle, mais d'une certaine manière, je remonte un peu le temps, parce que Bayle rend explicite ce découplage très fort entre un espace, je dirais, de débat qui doit être laissé absolument libre et un espace de la pratique qui, lui, justement, est sérieux, mais qui est d'un autre ordre que le premier. Et chez Spinoza, ce découplage-là, il a pour fonction de permettre à tout un chacun de penser absolument n'importe quoi. C'est important aujourd'hui parce que quand on pense à des thèmes aussi graves et aussi sérieux que l'écologie, et que, par exemple, j'ai enseigné pendant plusieurs années au Brésil et j'ai été assez passionné par le mouvement des comment on dit en français, en portugais, on dit terraplanistas, ceux qui croient que la Terre est plate. Donc, il y a des communautés entières qui se convainquent qu'on nous ment, que l'ensemble des images que l'on voit de la Terre, etc., ne sont qu'un vaste complot, et donc qu'une communauté d'élus avertis, éclairés, est au courant qu'en réalité, la Terre est plate. Là-dessus, il développe tout un tas d'idées assez loufoques, qui vous donne la mesure de ce que l'esprit humain peut inventer lorsque justement il perd le il perd le sens de des pratiques qui permettent de valider ce que nous appelons des formes de vérité. Donc eux, dans ce délire, semblent effectivement en quelque sorte les plus dangereux, puisque en fait il serait impossible de dialoguer avec eux. Or, je me suis aperçu en dialoguant avec des anthropologues qui travaillent sur ces communautés que non seulement elles étaient capables d'instiller le doute, c'est ce que les anthropologues me racontaient, ce qui était très amusant, d'instiller le doute en eux-mêmes, c'est-à-dire que à force de dialoguer avec eux, de prendre des notes, etc., mon amie Isabella en particulier rentrait chez elle et se disait « mais au fait, quels sont exactement les critères qui fondent ma propre certitude ?» Et donc là, il y a quelque chose de très fort, c'est-à-dire que leur exploration, délirante bien sûr, lui a permis à elle de revenir interroger des certitudes qui peut-être étaient insuffisamment fondées, ou en tout cas l'ont amené à reprendre conscience de ce qui peut et doit fonder de la certitude. Donc, il me semble que les poutis fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent comme des sortes de bouées exploratoires qui sont lancées dans ce qu'il est possible de faire, dans ce qu'il serait peut-être inacceptable de faire, mais que l'on peut se représenter, non pas pour y aller et le faire pour de vrai, mais plutôt pour assouplir une certaine posture précisément face à la vie, au concret, au comportement. Et il me semble que il faut toujours se rappeler que dans l'expression, il y a quelque chose d'exploratoire. C'est-à-dire que parler pour dire ce qu'on pense ou ce en quoi on croit ou partager ses propres convictions, c'est bien sûr intéressant dans la mesure où c'est l'occasion de se connaître les uns les autres, de découvrir l'autre et ainsi de suite. Mais il me semble que dans l'expression, ce qui est intéressant, c'est ce qui circule et qui justement permet de remettre en question et de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'assouplir ce qui en fait a tendance à se scléroser. Le fait que nous tenions pour certains que la Terre est ronde, je veux dire, on n'est pas obligé de le remettre en question tous les matins, mais en revanche, que l'on puisse de temps en temps retourner à la question de savoir si réellement c'est important de tenir à telle ou telle croyance, si réellement on peut pas avancer sur tel ou tel droit, on parlait des revendications tout à l'heure. Donc cette manière d'interroger les limites est absolument fondamentale et c'est nécessairement par les marges. Hein. Pour revenir à Spinoza, lui dit peu importe ce que chacun de nous pense de Dieu, s'il est feu, s'il est esprit,
si les substances, si les juges, cela n'importe pas. Donc, l'idée, c'est que la liberté d'expression, elle est faite pour explorer dans un certain espace, qui est un espace évidemment conceptuel, mais qui est un espace, une pratique. Cette pratique, elle est linguistique, c'est-à-dire que ça se passe, mais pas seulement par le langage, ça se passe par tout un tas de signes, en fait. Et on sait à quel point les dessins ont donné lieu à des débats extrêmement vifs. Mais réellement, l'enjeu, c'est ce qu'il y a à défendre, en fait. C'est ça que je tiens à dire. Ce qu'il y a à défendre dans la liberté d'expression, c'est précisément quelque chose dont nous ne savons pas ce que c'est. C'est comme un coffre que nous n'aurions jamais ouvert ou dont nous ne terminerions jamais l'exploration. Hein, une sorte de tonneau des Danaïdes à l'envers, où au lieu de jeter désespérément des choses, nous tirons sans cesse de nouvelles découvertes en changeant les limites de ce que nous croyons être. Donc, il me semble que l'humour, c'est le moyen de remettre, de faire bouger ces lignes de la manière la plus douce ou la plus savoureuse possible. Alors, vous savez, il y a eu deux cérémonies qui se sont succédées récemment qui m'ont intéressé, la cérémonie des Césars en France et la cérémonie des Oscars aux États-Unis. D'habitude, je m'intéresse pas à ce genre d'événement, mais comme l'événement français a soulevé, comme vous le savez peut-être, une vague de dépit, on peut dire, face à des revendications qui étaient peut-être trop présentes dans une cérémonie dédiée qui est une manifestation artistique. J'ai voulu comparer avec les Oscars et avec la prestation d'un humoriste qui s'appelle Ricky Gervais et qui a fait un discours d'ouverture qui était absolument désopilant. Et ce discours est tellement extraordinaire que je l'ai revu une dizaine de fois pour essayer de comprendre exactement comment il s'y prenait pour dire à la société d'Hollywood des choses absolument inacceptables, parce qu'en fait, il suggérait que ils étaient tous plus ou moins pédophiles, que finalement, ils étaient tous livrés au diktat de l'argent, etc. Et donc, il multipliait les plaisanteries les plus audacieuses, mais d'une manière qui réellement faisait rire toute l'assemblée et qui, moi-même, m'a séduit. Et à force de revoir la vidéo et de réfléchir à la manière dont il s'y prenait, je suis arrivé à deux conclusions. La première, qui m'a semblé insuffisamment précise, mais qui me semble finalement importante, est de l'ordre de l'intention. C'est-à-dire qu'il est extraordinaire d'écouter cette personne dire des choses qui, dans un contexte abstrait, seraient réellement blessantes, mais qui sont portées par une intention de sa part qui est tellement claire, qui est tellement bienveillante, qu'il est vraiment très difficile d'être blessé et que personne parmi les personnalités qu'il a interpellées dans la salle n'a visiblement été blessé. Donc, il me semble que l'intention, c'est quelque chose qu'on peut percevoir dans certains propos, dans certains discours, et lorsque l'intention est bienveillante, on revient un peu au sketch de Desproges aussi, lorsque cette intention est bienveillante, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais les humains le perçoivent, ils se le font percevoir les uns aux autres. Donc, cette première interprétation de ce que je voyais dans ces vidéos m'a semblé, je vous la partage parce que finalement, les philosophes en parlent peu, mais il y a des choses qui se passent entre les corps humains et qu'on a du mal à expliquer. Et je crois que l'intention, ça fait partie de ces choses-là. Lorsque votre intention est bienveillante, peut-être que vous direz des choses étranges, mais si elle arrive à passer à l'intérieur de ce que vous dites, réellement, elles ne blesseront pas. Donc, je crois que revenir à la question de l'intention, ça va redevenir indispensable. D'autre part, comme je vous l'ai dit, même si je pense qu'il faut, rendre justice à l'intention, j'ai trouvé que j'étais insuffisamment précis et j'ai continué à regarder cette vidéo encore et encore jusqu'à ce que je trouve exactement comment est-ce que cet humoriste-là faisait passer son intention dans ce discours-là. Et j'ai découvert la technique, qui est réellement un procédé que visiblement il utilise de manière consciente, qui est de rassurer immédiatement avant la provocation qu'il va faire. Et donc, c'est très intéressant à observer, puisqu'en fait, à chaque fois qu'il va dire une horreur,
il dit une phrase qui, avant l'horreur, rassure ceux qui l'écoutent sur l'intention qui est la sienne. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est le contraste entre, on parlait d'amour tout à l'heure, c'est le contraste entre cette bienveillance réaffirmée en permanence. C'est ça aussi que, sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que l'intention, ce n'est pas une fois pour toutes. L'intention, c'est à chaque fois. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant chez lui. L'intention, c'est à chaque fois. Et à chaque fois qu'il allait dire une horreur, à chaque fois, il rassurait soit la personne qui était interpellée, soit l'ensemble du public, soit, et c'est aussi intéressant, lui-même, en disant, parce que c'est un peu c'était récurrent dans son propos, de toute façon, je m'en fiche, c'est la dernière fois que je présente cette cérémonie, donc je peux dire n'importe quoi. Et cette désinvolture, c'est ce par quoi donc je fais la boucle avec mon histoire de playfulness, c'est-à-dire avec une certaine légèreté que l'on a dans l'exploration, sur laquelle j'ai voulu lourdement insister, mais une exploration qui est un engagement où le soi lui-même est mis en quelque sorte en danger ou en suspens. C'est-à-dire, c'est pas grave. C'est pas grave si ça rate. C'est pas grave s'il faudra faire demi-tour. L'important, en fait, c'est justement de laisser l'intention faire pour que justement, dans l'échange, quelque chose puisse naître qui est de l'ordre du commun ou en tout cas du partage. Voilà. Donc, ce partage-là, c'est celui qu'on fait ici, justement en cherchant ensemble des pistes pour penser ces choses-là. C'est ce qu'on a fait aussi pour certains d'entre nous dans les classes où nous sommes intervenus. Et il me semble que les terrains de partage où la liberté d'expression peut être pratiquée et explorée, justement, gagnent à être multipliés. Donc, pour ça, je crois que les rencontres philosophiques de Monaco font un travail qui me tient à cœur, que je crois important, et pourquoi je vous remercie aussi d'être venu participer à ce débat, parce que c'est justement en sortant, en multipliant ce que nous appelions tout à l'heure avec Monique les libertés d'expression, c'est-à-dire les lieux où il est possible de dire tout et n'importe quoi de manière exploratoire. C'est de cette manière-là justement qu'on retrouvera le sens de la légèreté et donc d'une liberté qui n'est pas une liberté sans cesse au risque de la blessure, mais plutôt dans l'exploration de ses intentions. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en débat. Bah écoutez, merci beaucoup parce que vous avez dit énormément de choses très intéressantes. On va en parler sûrement avec la salle. Juste, Maxime, une chose que je voudrais te dire, c'est que les fameux potis dont tu parlais, ça peut être des enfants. À Naples, pendant la procession de Saint Gennaro, où il y a la décoagulation du sang, les enfants, ils ont le droit d'aller sous la soutane, de soulever, de dire des gros mots, etc. On appelle les scugnizi. Et les scugnizi, c'est ceux qui ont le droit, effectivement, de faire comme les putis, de soulever, etc., etc. Voilà, c'était juste une précision débile que je voulais apporter. Il y a énormément de choses. Moi, ce qui me frappe le plus dans ce que vous dites, c'est le mot expression. C'est ça qui me trouble le plus. Dans ce que tu viens de dire, moi, je partage absolument tout, y compris l'intention bienveillante, etc. Mais je crois que tout ce que vous avez dit, je vous provoque un peu, présuppose une très grande intelligence du langage, au sens où l'expression, vous la prenez comme étant effectivement la manière que nous avons élégante, compliquée, sophistiquée, d'arranger le langage pour pouvoir traduire au plus près ce que nous avons pensé, et qu'il n'y a pas de vie de la pensée sans la vie de l'expression. Ça, Kant le disait déjà, puisqu'une pensée qui penserait toute seule, qui ne pourrait jamais s'exprimer, mourrait comme une plante qui ne serait jamais arrosée. Donc, il est très essentiel d'avoir cet échange, effectivement, d'expression. Or, si on revient à des situations plus contemporaines, aujourd'hui, ce qui est blessé avant tout, c'est l'expression elle-même. Et ça ne date pas de la crise du Covid. Les linguistes, un certain nombre de linguistes, je perds évidemment le nom, avaient fait des enquêtes sur le langage qu'utilisent les adolescents. Certains adolescents tournent, comme on dit, entre 1000 et 1500 mots.
Autrement dit, les jeux, tourner cette fois sa langue dans la bouche, c'est vite fait quand on a 1500 mots. Et donc, les mots reviennent toujours les mêmes. Et on constate que dans le langage d'aujourd'hui, il y a des mots, je kiffe tout. Je peux kiffer ma fiancée, les tomates, les spectacles, etc. C'est-à-dire qu'un mot en remplace 50. Or, dans la faculté que nous avons d'échanger nos pensées, cela présuppose précisément cette difficulté du langage, cette sophistication du langage, qui fait aussi la caractéristique de l'humour. Pourquoi l'humour, il est intelligent? Justement parce qu'il manifeste parfois des intentions bienveillantes, mais que c'est dit de telle façon. J'imagine que tu écoutes aussi parfois le soir les late night shows américains où ils vont très très loin dans la critique. Mais c'est dit avec de telles formes langagières, et tu dises toujours avant, effectivement, ce que tu appelais cette précaution oratoire préalable qui permet un véritable change. Or, il me semble qu'aujourd'hui, c'est l'expression qui est un petit peu blessée. Et par conséquent, on a du mal à réaliser que par la liberté d'expression, nous pouvons augmenter la liberté de penser. Parce que la liberté d'expression se réduit aujourd'hui à la liberté d'opinion. Et une opinion qui ne se confronte pas à celle d'autrui, en disant « je te dis ce que j'ai pensé, dis-moi ce que j'ai raté pour que je te dise ce que tu vas penser », ainsi de suite. Mais aujourd'hui, chacun sait que les opinions ne s'expriment que dans des cercles fermés. C'est-à-dire là où il y a le plus de dialogues, ce sont des dialogues entre nous. C'est pas au sens l'entre-nous, c'est vraiment entre nous, dans des communautés closes. Et c'est ça qui me semble dangereux, moi, à la fois pour l'humour, et pour la liberté d'expression. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que Monique ne doit pas être tout à fait d'accord, j'espère en tout cas. Mais, si je peux répondre sur ce point, mais je voudrais parler d'autre chose aussi, ben, la liberté d'expression, c'est évidemment la liberté de parler. D'ailleurs, la plupart des gens qui se retrouvent devant la justice pour des injures antisémites ou racistes, quand les juges les interrogent en disant « mais alors, pourquoi vous avez dit ça ?», ils répondent « je ne sais pas, c'est sorti comme ça, j'ai écrit un graffiti antisémite sur, une tombe d'un cimetière en Alsace, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » J'ai vanté le cyclone B alors que je suis dentiste, pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Donc la plupart d'entre eux, d'une certaine manière, se dédouanent de cette responsabilité des propos. Est-ce sincère? Est-ce un mensonge? Nul ne le sait, les juges n'approfondissent pas la question. En général, on les rappelle à la loi. Mais si tu veux, l'expression, ça a toujours été ça. Mais des graffitis, on en voit depuis l'Antiquité, des paroles qui ne signifient rien, ça a toujours existé. Alors il est vrai que maintenant, dans la mesure où tout le monde peut donner à son propos une audience universelle et immédiate, évidemment, on n'entend plus que ça. Mais ça a toujours, au fond, été l'usage dominant de la parole. On parle pour ça. Mais je voudrais quand même revenir sur deux points, parce que c'est très important ce qu'a dit Maxime sur la distinction entre les opinions et les actes. D'ailleurs, je vous rappellerai que c'est la raison pour laquelle Bell a reconnu le bénéfice de la tolérance aux catholiques et aux athées. Parce que Locke ne les avait pas reconnus. Locke disait « les catholiques ont... ont leur conscience attachée à la ceinture du pape, ils prétendent avoir une opinion religieuse, en fait c'est une prise de pouvoir politique qu'ils souhaitent, c'est-à-dire rétablir le pouvoir papal au-dessus des souverains. Et quant aux athées, ne croyant pas en Dieu, franchement, ils ne peuvent avoir aucune espèce de moralité. Et Locke les avait exclus du bénéfice de la tolérance, ce que Bell ne fait pas précisément pour la raison qui a été rappelée, c'est-à-dire je ne m'occupe que des actes. Et d'ailleurs, Bell dit, si je devais chercher un groupe d'hommes pour créer une cité complètement nouvelle sur une île déserte, ce sont des athées que j'irai chercher. Là, au moins, je suis sûre que j'aurai la paix. Ils ne s'entretueront jamais pour des questions de religion. C'est assez extraordinaire, en effet, dans les pensées sur la comète, que cet exemple. Et c'est assez bizarre, parce que Locke a quand même été le premier à dire « Mais au fond, la question du salut et de la vie éternelle, ça ne fait pas partie du pacte civil ». Donc chacun pense ce qu'il veut sur cette question. Il aurait dû aller plus loin, y compris les catholiques, y compris les athées. Mais non, là, il s'arrête devant cette étape. Juste un point aussi sur le blasphème. Vous savez, dans la loi française, le blasphème est considéré comme portant sur Dieu, sur la religion comme institution, enfin surtout institution de pouvoir, sur les prophètes et sur les incarnations. Enfin, toutes entités, si vous voulez, qui sont essentiellement une représentation mentale.
qui ne sont pas rattachés à des intérêts particuliers, des intérêts. Ce qui fait que, pour la raison suivante, c'est qu'une offense à Dieu, que ce soit le Dieu des chrétiens, le Dieu des juifs, que ce soit le Dieu de l'islam ou n'importe quel autre Dieu, sera considéré comme quelque chose de très grave par les croyants, et en particulier par les croyants de la religion concernée, mais par les athées ou ceux qui sont simplement agnostiques, sera considéré comme insignifiant. Donc l'idée est qu'il n'y a aucun consensus sur le dommage, parce que précisément, certains croient en Dieu, en tel Dieu, d'autres n'y croient pas. Et d'ailleurs, c'est la raison peut-être pour laquelle, et il est vrai, vous avez raison, que le christianisme a été horriblement, enfin, pas de religion qui a été plus blasphémée, sans doute parce que c'était une religion d'autorité. Ce n'est plus du tout le cas maintenant, mais l'habitude du blasphème et du blasphème impuni, dans l'impunité la plus totale, est restée. Mais ce qui me frappe, c'est que dans le judaïsme, par exemple, de toute façon, toute idolâtrie est totalement prohibée. Toute représentation de Dieu est une idolâtrie. Donc une caricature d'une représentation de Dieu, ce sont des idolâtres qui se disputent ensemble. D'une certaine façon, ça n'intéresse absolument pas les atteintes à la représentation divine pour un croyant juif. C'est quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi on fait tant d'histoires alors que de toute façon, on ne devrait même pas oser imaginer avoir une image mentale de Dieu. Donc, vous voyez à quel point... En revanche, l'injure faite aux croyants, aux tenants d'une religion, ça est très sévèrement puni, puisque les peines sont aggravées considérablement quand on se reprend à une personne pour sa croyance religieuse. Mais on distingue les êtres vivants, enfin les êtres humains qui ont des intérêts, des idées abstraites, parce que tout le monde, croyant ou pas croyant, sait ce qu'est la blessure à un être humain, enfin une attaque directe, une mise en cause... En revanche, pour la religion, c'est différent. Alors, si je peux dire un mot de l'humour, parce que dans mon livre, là, j'étais contente d'avoir trouvé pour mon chapitre un titre qui, chaque fois que je lis, je souris, c'est « Fini de rigoler ». Parce que franchement, on en est là. Alors, c'est vrai que l'humour, si vous voulez, ce n'est pas une démonstration, un trait d'humour, hein, une blague. On dit n'importe quoi, c'est ça qui fait rire. Alors, j'en ai un certain nombre. Là. Je ne sais pas si vous connaissiez le sketch de Stéphane de Groot. Je m'excuse, hein, parce que encore une fois, sous les catholiques qui sont visés, un Jeanne d'Arc, mais vraiment, c'est une flamme formidable. Elle fut la première gagnante de The Voice. Puis en même temps, elle avait beaucoup bûché pour y arriver, hein, à la fin seulement. Alors bon, je ne sais pas si ça n'a fait rire personne, mais enfin, quand il l'a dit, ça a fait rire tout le monde. Ça n'a strictement aucun sens. Alors, de quoi parle l'humour? De quoi est-il responsable? Enfin, pourquoi on va lui demander des comptes? Il dit n'importe quoi. Quand, selon la blague fameuse de Jacques Chirac, qui avait quand même, qui n'était pas encore à l'époque de la cancel culture, et heureusement, c'était d'une certaine façon le bon esprit français, lors d'un bain de foule à Bormes-les-Mimosas, agressé par une personne qui le traite de connard, je m'excuse, et qui répond « Ah, connard, bien enchanté, moi, c'est Chirac. Bon. » Ben évidemment, il faut avoir la maîtrise de soi pour rétorquer de cette façon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Où est l'humour? En quoi ça consiste l'humour? Impossible de le savoir. Ben oui. Et justement, c'est ça qui est extraordinaire dans l'humour. C'est que, surtout dans la tradition française, quand tu parles de bienveillance, je ne suis pas tout à fait d'accord. La tradition française en matière d'humour est méchante. C'est une tradition de planflet. Quand on lit les Mazarinades, donc au XVIIe siècle, contre Mazarin, on est effrayé. C'est un humour franchement méchant, mais qui en même temps est très spirituel. Et qu'est-ce que ça a de prodigieux, l'humour? Mais que ça désintègre les meilleures intentions et les meilleures causes. Regardez Blanche Gardin. Alors là aussi, c'est une chose formidable, en plus parce que c'est une femme. Le Haut Conseil à l'égalité homme-femme a étudié les humoristes de la radio publique et a trouvé que franchement, ça n'allait pas du tout. La moitié des blagues a été faite aux dépens des hommes et des minorités. Et en conséquence, il leur a demandé de continuer à faire rire, mais sans jamais parler avec la moindre taquinerie et des femmes et des minorités. Donc, vous n'avez qu'à écouter la radio publique en France. Maintenant, et dites-moi si vous riez à une seule blague. Parce que quand on fait des blagues sur les bonnes causes et sur les bonnes intentions et sur un monde parfait, ça ne fait rire personne. Donc, évidemment, l'humour, il déstabilise, il oblige, il fait rire parce qu'il oblige à réagir. D'ailleurs, chacun de nous, je crois, s'est trouvé dans la situation absurde en écoutant une bonne blague, bien sexiste, pour ne pas dire autre chose,
de rire aux éclats et de dire immédiatement « mais non, c'est pas drôle du tout ». C'est une sorte de réfutation, une conjonction de deux attitudes contradictoires. Donc Blanche Gardin, elle a justement, comment le Haut Conseil aurait réagi si elle n'avait pas été une femme, lorsqu'elle reçoit là, en 2018, alors justement, c'était la cérémonie, alors c'était le Molière du Molière spectacle comique, elle remercie le jury et elle dit oh « ben franchement, hein, je suis la seule femme nommée juste l'année de l'affaire Weinstein ». Je suis primée uniquement en raison de la discrimination positive. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Le jour où j'ai appris n'a aucune valeur, comme un rebeu du 93 admis à Sciences Po. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est contre la promotion des femmes? Qu'elle est contre l'égalité homme-femme? Qu'elle est contre la discrimination positive à Sciences Po? Mais non, pas du tout. Ça veut simplement dire que, eh bien, elle joue. Elle avec son talent d'humoriste, elle débusque. Au fond, les bonnes intentions un peu intéressées qu'il y a derrière la promotion des femmes. Oh ben, on va se faire bien voir, cette année, on va promouvoir une femme. Elle débusque les calculs, elle débusque, au fond, tout ce fond d'ambivalence, d'ambiguïté qui a à la base les meilleures causes, parce que c'est tellement humain. Il y a toujours un petit peu de perfection dans la perfection humaine, vous le savez tous. Donc l'humour nous fait rire, parce que d'une certaine manière, on se sent chez soi. On se reconnaît à la fois dans la grandeur de la cause pour laquelle on est prêt à faire beaucoup, mais on se reconnaît aussi dans l'effet de ricaner un petit peu. Donc l'humour racle, au fond, assez gentiment ce vieux fond de préjugés. Alors peut-être que ça disparaîtra avec l'évolution de la culture, il n'y a pas de choses qui persistent indéfiniment, mais pour l'instant c'est son rôle. Et d'ailleurs, Blanche Gardin est allée très loin, puisque lorsqu'elle a reçu... en tant que titulaire du Molière, elle a été appelée justement à la cérémonie des Césars à donner le prix du meilleur espoir féminin à Camélia Jordana. Elle a remis ça en disant c'est formidable. Hein, dorénavant, je m'excuse, hein, c'est peut-être un peu tendancieux, mais vous verrez, les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Hein. C'était en 2018 encore. Mais parce que il faut être clair maintenant, hein, nous les actrices, est-ce qu'on a encore le droit de coucher pour des rôles? Parce que si on n'a plus le droit, il va falloir apprendre des textes et c'est du travail. Tout le monde a ri. Et pourtant, on était tous en train, toutes les femmes portées étaient habillées en noir. Vous vous souvenez de cette cérémonie extrêmement impressionnante, très belle et très sincère. Mais en même temps, de quoi parle-t-elle Blanche Gardin? Du fait qu'il n'y a pas de victime, entièrement victime. Chez beaucoup de victimes, on doit laisser libre les victimes d'être à la fois séductrices et manipulatrices et en même temps de réelles victimes, qu'il n'y a pas de portrait robot de la victime irréprochable. Donc d'une certaine manière, le fait que de rappeler simplement qu'une femme peut être réellement violée par un producteur, mais peut être aussi calculatrice pour avoir un rôle dans un autre contexte, elle le fait de cette façon-là. Ça fait rire tout le monde parce que tout le monde reconnaît qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Donc, d'une certaine façon, l'humour repose sur cette espèce de, alors vous disiez, caractère exploratoire, cette nécessité, ce caractère extrêmement positif de la transgression, comme disait ce fameux chroniqueur américain, si vous n'allez pas trop loin, vous n'irez jamais assez loin. D'une certaine manière, les humoristes peuvent y aller sans risque, sauf si... il n'est pas établi que leur humour est une forme d'excuse pour la provocation à la haine. Alors là, je comparerai avec le cas de Dieudonné, parce que Dieudonné, vous avez entendu parler de ce personnage qui est un humoriste qui a été condamné en justice je ne sais combien de fois pour antisémitisme, un humoriste très talentueux. Il a vraiment commencé une carrière d'extraordinaire amuseur public avec un réel talent. Mais au fur et à mesure, son humour est devenu une sorte de monomanie. Or, l'humour, il fait rire à condition qu'il fasse feu de tout bois, qu'il dise une chose et son contraire, et qu'il n'adhère pas à quelque cause que ce soit. Mais quand un humoriste ne fait rire que d'une chose, c'est des juifs, et toujours sur la même chose, l'exploitation financière de la Shoah, et toujours sur la même chose, le mensonge et le faux témoignage, et la domination du monde, ça, ce n'est plus du tout de l'humour. C'est une monomanie qui s'excuse sous la forme de l'humour. Et d'ailleurs, quand on assiste à un spectacle de Dieudonné, ce que j'ai fait, et qu'on va ensuite voir ce qui se passe dans la librairie, il n'y a
que là, les cartes tombent, les masques tombent plutôt. C'est-à-dire, il n'y a que des objets à vocation antisémite. Et d'ailleurs, tous les articles écrits Dieudonné sont des articles antisémites militants. Donc là, c'est pas, l'humour est une manière d'exprimer, c'est plus du tout la source de l'inspiration. Rien à voir avec Desproges. Parce que, en effet, Desproges a dit des choses terribles. Hein. Himmler, il n'a pas le temps, quand il va en Hollande, il quitte le four pour aller au moulin. Enfin, bon, donc c'est quand même des choses que plus personne n'oserait dire maintenant. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Quant au, est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? Blanche Gardin l'a cité. Et justement, elle a dit, est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? Alors, bon, ça a tremblé. Et elle a répondu, bah, vous avez reconnu Desproges. On dit qu'on ne peut plus dire ça. Mais je viens de le dire. Alors, ça prouve qu'on peut le dire encore. Pour ensuite ajouter, puis de toute façon, je dis n'importe quoi, parce que souvent l'humoriste se termine comme ça, je dis n'importe quoi. Donc là, c'est une chose qu'il faut vraiment accepter. L'humoriste, d'une certaine façon, n'a pas de compte à rendre, sauf s'il se sert de l'humour pour exprimer une sorte de passion monomaniaque et haineuse. Mais enfin, ça, ce sont des cas extrêmes, quand même, semble-t-il. Dire un mot, puis après, on va parler un peu avec la salle, vas-y. Oui, je voudrais juste rebondir sur quelque chose qui me semble très intéressant dans ce que vient de dire Monique et qui est d'une subtilité que je voudrais vraiment souligner. C'est que la vérité se trouve dans le n'importe quoi. C'est tellement contre-intuitif que ça mérite d'être relevé. C'est-à-dire que dans ce que j'appelais une pratique exploratoire de l'expression, on pourrait penser que oui, bon, il faudrait chercher des choses originales à dire pour, au fond, ou des choses différentes pour au fond trouver la vérité. Mais s'il y a une chose qu'on a appris au XXe siècle lors de l'explosion sémiotique de l'exploration du langage, c'est justement que c'est dans le n'importe quoi, dans le oui, tout et n'importe quoi, je trouve, il n'y a pas d'autre mot, que la vérité apparaît, émerge de temps en temps. Et il me semble que justement, tirer tous azimuts, c'est une des pratiques du n'importe quoi. Dans l'université médiévale, il y a des questions et des réponses où on défend une chose et son contraire. C'est un exercice d'école de défendre une chose et son contraire. Lorsque les autorités se durcissent au XVIe, au XVIIe siècle, on leur objecte souvent, les philosophes leur objectent souvent, attention, ne vous méprenez pas, ça c'est un exercice d'école. À l'école, on a le droit d'émettre l'hypothèse que Dieu n'existe pas. On n'a pas le droit de le dire dans la société civile, on n'a pas le droit de le déclamer sur la place publique, mais on a le droit d'en faire la démonstration sur une estrade de l'université. Donc, mais encore une fois, c'est dans un jeu qui est un jeu justement qui va tous azimuts. Et de ce tous azimuts et ce n'importe quoi, c'est aussi ce qui nous permet, je crois, de rire. Justement de tout et n'importe quoi lorsque l'intention y est. Je voudrais aussi rebondir sur ce que disait Robert et prendre au sérieux la question que tu as posée pour apporter peut-être un élément de réponse à charge peut-être pour la salle de rebondir après dessus. Toi, tu nous interpelles sur, au fond, les possibilités d'expression, c'est-à-dire nous sommes tous convaincus de l'importance et de l'intérêt de la liberté d'expression, alors que nous sommes tous plus ou moins des gens de lettres, donc on a lu beaucoup de livres, on en a écrit aussi quelques-uns, et donc nous sommes censés en tout cas avoir à notre disposition un certain répertoire ou un spectre d'expression, en particulier verbale, assez large. Et c'est vrai que nous, c'est observable, ça peut être mesuré, il y a des populations qui, au contraire, doivent naviguer dans une expression, un registre d'expression qui est extrêmement réduit. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'expression quand on ne sait pas s'exprimer? Ou quand on a moins, justement, quand le spectre est moins large? Eh bien, il me semble qu'il ne faudrait pas tomber, justement, dans un biais qui est le biais de gens de lettres qui sont convaincus que ce spectre est important. Il se trouve que j'ai habité plusieurs années en Papouasie-Nouvelle-Guinée et je me suis intéressé à une langue qui s'appelle le Tokpisin, que les linguistes désignent comme le pidgin néo-mélanésien. Un pidgin, c'est une langue déformée qui n'est pas encore parlée par les petits-enfants,
les enfants grandissent dans une certaine langue et à une certaine époque de leur vie, ils apprennent cette nouvelle langue qui donc n'est pas un créole, puisqu'un créole, c'est ce qu'on parle des petits, c'est, ça peut être une langue maternelle. Un pidgin, c'est un créole qui n'est utilisé que de manière secondaire. Le Tok Pisin est l'une des rares langues qui, en 1975, a été condamnée à mort par l'UNESCO, qui a explicitement dit que cette langue faisait insulte à ses locuteurs. C'est donc une déformation de l'anglais qui m'a intéressé particulièrement parce que, en réalité, les mots sont, enfin, le lexique est originaire de l'anglais. Il est légèrement déformé phonétiquement, mais tous les concepts que ces mots désignent sont profondément mélanésiens. Donc, par exemple, sur une table comme celle-ci, vous pouvez parler de bottle parce que vous désignez la bouteille, mais quand la bouteille est vide, c'est un container. Si vous demandez « passe-moi la bouteille » et que la bouteille est vide, la personne regarde et va répondre « je ne vois pas de bouteille ». Donc, dans cette langue, le nombre de mots est extrêmement réduit. Il me semble que ce qui fait la richesse de l'expression, ça n'est pas l'ampleur du spectre, c'est plutôt, je dirais, la qualité de la résistance. Quelle que soit la langue qu'on parle, quelle que soit la vastitude de son vocabulaire, ce qui fait que votre expression va être fine, c'est la conscience que vous avez de la résistance de la langue, ou pour le dire dans l'autre sens, de la résistance de votre expérience à la langue. Quelque chose ne parvient pas à se dire, et c'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça que c'est difficile d'arriver à une expression satisfaisante, précisément parce que, comme vous le savez, une langue, c'est une structure transindividuelle, on ne l'invente pas soi-même, et pourtant, il y a des dimensions de l'expérience qui, elles, sont d'un autre ordre, même si elles sont informées par cette structure, elles leur échappent en partie, je pense à des phénomènes physiques, de corps, enfin notre expérience du corps, et ainsi de suite. Et donc, voilà, il me semble que dans la problématique de l'expression, c'est moins peut-être le spectre, l'ampleur de ce à quoi on peut avoir accès qui importe, que la qualité de la résistance que l'on peut investir à l'intérieur de son registre d'expression. Et finalement, quand on travaille avec des communautés, surtout des jeunes en fait, mais même au Brésil, il y a des communautés qui sont de personnes plus âgées qui sont analphabètes et qui sont confrontées à des problématiques similaires. Lorsque des gens disposent comme ça d'un spectre en quelque sorte rétréci, tout l'enjeu, ça va être de les rendre à l'aise dans l'inconfort qu'est la langue. L'inconfort qu'est l'expression. Le risque que comporte l'échange. L'ambiguïté que ce qui se trouve dans cette espèce de circulation en fait de mots qui à la fois nous unit et nous sépare en quelque sorte. Et il me semble que ça c'est fondamental. Voilà la réponse que j'aurais pas d'accord à ta question. N'a aucune importance. Formidable. Bon, on va peut-être parler avec. Non, je suis pas d'accord du tout parce que demande à des professeurs de collège ou de lycée, demande à des médecins, demande à des sages-femmes. Quand il se trouve devant une femme qui a effectivement très peu de vocabulaire et qui ne sait pas dire de quoi elle souffre, et là, je crois que ton discours, elle l'entendrait pas à ce moment-là. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de la voltige de la pensée qui manque d'appui quand tu manques de mots. Et sans mots, DS, tu sais pas dire tes mots, MAUX. Et ce n'est pas une question, comme tu dis, de rencontrer la difficulté. Je crois que vraiment aujourd'hui, à part le fait que, enfin, c'est une statistique débile, la diminution du quotient intellectuel qui existe depuis 10 ans. Donc tu dis, attends, mais là ce n'est pas quelqu'un qui a inventé. Tu vois. Et puis aussi, pour revenir à l'humour, la manière dont aujourd'hui vous avez constaté que toutes les expressions, riches ou pauvres, on les met sous des oripeaux de drôlerie, de les photos, c'est fun, c'est rigolo. C'est-à-dire qu'à mon avis, on noie l'humour, celui de des proches ou d'autres, sous des cargaisons de dérision, de médisance, d'ironie,
d'insultes, de harcèlement rigolo et de fun, quoi. Et le fun, c'est le brouillard qui a effacé la disparition de l'humour, si bien que personne ne le voit plus. Si vous me permettez, Robert, je voudrais justement. Il faut dire une image, c'est que de ce que vous disiez qui m'est apparu, c'est quand même l'idée tout dire, n'importe quoi, n'importe comment, ça s'appelle le chaos. Ouais. Ne plus pouvoir parler, ou déjà, c'est le chaos. Et le rôle de l'humoriste, c'est de tirer du chaos un cosmos. C'est ça. Le rôle du sachant, pas dans son sens orgueilleux, je sais, mais du médecin qui va essayer de faire dire, du professeur qui va essayer, c'est de tirer d'un chaos un cosmos. Moi, c'est quelque chose qui me touche profondément parce que c'est l'œuvre créatrice, c'est l'œuvre divine elle-même, tirer du chaos le cosmos. Et pour revenir à l'humour, je pense que le véritable humoriste, non pas qu'on ait à en juger, mais tel qu'on peut le ressentir, et par exemple, exactement, c'est ce qui se passe avec le sketch de Desproges, même si je continue à penser qu'aujourd'hui, il serait extrêmement difficile de le donner en scène, mais c'est que l'art de Desproges, c'est de tirer d'un chaos d'idées toutes plus horribles les unes que les autres, un peu comme l'humoriste américain que vous citiez, et par son art, d'en faire sortir quelque chose qui est de l'ordre du cosmos, parce que nous en tirons des conclusions, et là, l'intentionnalité, c'est là que l'intentionnalité intervient. Celui qui, d'une manière consciente pour lui, veut tirer de ce chaos, ou essaye de tirer de ce chaos quelque chose qui mène vers le cosmos, il a une intentionnalité bonne, sans y mettre de valeur plus morale que cela, simplement essayer de donner un sens, de trouver un sens. Bon, on va peut-être répondre à des questions, s'il y en a, parce que c'est quand même toujours intéressant. Je vois très peu de gens, je vois presque pas avec les lumières, donc vous me dites s'il y a des... Sinon, nous continuons notre discussion. Oui, il y a monsieur là-bas, je crois. Oui. Retirer le micro, le Twitter, à Donald Trump au moment où, en quelque sorte, Ça, pour ce qui me concerne, je le désapprouve totalement. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les propos de Donald Trump, mais pour moi, c'est une forme de censure préventive, forfaitaire, que je ne peux que désapprouver. En revanche, censurer au cas par cas les messages de Donald Trump ou d'autres qui sont des appels à la haine, qui sont des fausses nouvelles, qui sont des provocations, oui, mais pas couper une voix. Ça, je ne peux pas être d'accord avec cela. Alors, vous savez, nous n'incarnons pas la philosophie, hein, nous incarnons des chemins de pensée très différents avec des points de vue qui peuvent se rencontrer, mais qui sont quand même distincts. Et pour ce qui me concerne, pour répondre à votre question, la liberté d'expression doit être maximale dans les limites de la loi. Et simplement, la loi, si vous voulez, j'en retiendrai l'esprit plutôt que la lettre, parce que souvent les juges sont très gênés pour appliquer la loi, pour la raison très simple que quand on prend le cas des injures ou de la provocation à la haine, la plupart des délits de parole qui se retrouvent traités en justice aujourd'hui ne comportent aucune expression injurieuse. Donc comment qualifiez-vous d'injure des formules, par exemple quand Renaud Camus dit « une boîte de préservatifs, ça nous évite 200 000 euros de l'assurance maladie, 10 noyés en Méditerranée, une boîte de préservatifs envoyée en Afrique, ça nous évite
des noyons en Méditerranée, ça fait faire des économies à la sécurité sociale, ça évite quelques agressions dans la rue, enfin bref, tout un chapelet de considérations de ce type. Il n'y a aucune expression injurieuse. Mais il n'y a pas que l'injure qui tombe. Justement, c'est ça qui est délicat. C'est que il peut y a, donc d'où le motif de provocation à la haine qui est devenu en quelque sorte le motif balai, parce qu'aujourd'hui quand même les gens sont au courant de la loi. Donc avant de se lancer dans une injure raciale, ils savent quels risques ils encourent et qu'ils peuvent aller très loin en termes financiers en particulier. Donc ils jouent pour être à la limite non incriminables littéralement et avec des avocats qui les défendent avec de très bons arguments. Et que font-ils pour être particulièrement nocifs dans leurs propos? Eh bien, ils jouent sur un ensemble de stéréotypes. Et d'ailleurs, ils se retranchent derrière ces stéréotypes. Mais ce n'est pas de ma faute si, quand les gens pensent agression, ils pensent à des personnes qui viennent de l'immigration. Ce n'est pas de ma faute si, quand j'évoque le déficit de l'assurance maladie, il y a des gens qui en rendent responsables certaines communautés. Donc, ils se défaussent sur des préjugés qui sont là et avec lesquels ils ne feraient que jouer et que citer. Donc, si vous voulez, la loi, aujourd'hui, c'est la seule instance habilitée à régler la liberté d'expression, à mes yeux. Mais je pense qu'il faudrait peut-être plus d'intelligence de la loi pour comprendre exactement ce qu'elle prohibe. Elle prohibe, certes, la provocation à la haine, elle prohibe le tort fait à autrui, la liberté d'un être s'arrête là où commence la liberté des autres, mais elle prohibe aussi, elle devrait être beaucoup plus explicite sur la conscience que le langage, si vous voulez, quand des expressions injurieuses sont répétées, elles changent, comme on dit en philosophie, elles changent les normes. C'est-à-dire qu'elles transforment le seuil de ce qui est admissible et de ce qui est tolérable. D'ailleurs, il n'y a qu'à rappeler les exemples de l'Allemagne nazie ou du Rwanda. À force de répéter que certains peuples sont indésirables, eh bien, ce qui suscitait au départ un mouvement d'indignation finit par susciter qu'un haussement d'épaules. Et d'une certaine manière, on construit l'indifférence, on construit l'insignifiance de certains actes épouvantables. D'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Des choses qu'on disait il y a 20 ans, on ne peut plus les dire maintenant, et on est devenu totalement allergique à certaines expressions. Donc la puissance qu'a le langage pour transformer les normes collectives, l'accord général sur ce qui est admissible, est une chose à laquelle la justice devrait vraiment être extrêmement attentive. Et aussi le fait que certains usages injurieux de la parole sont destinés à faire taire. Or, si vous voulez, un usage de la parole qui n'a d'autre but que de faire taire, c'est un usage qui doit être véritablement non permissible, parce que là, il touche à une contradiction de la liberté dans la liberté d'expression. Quand on dit à quelqu'un une injure raciale épouvantable, on ne veut pas provoquer un débat. Il serait d'ailleurs totalement malvenu que la personne qui est visée par l'injure raciale se mette à argumenter en disant « oui, mais pourquoi ? Moi, j'ai des raisons, etc. » Ce n'est pas du tout le but. Le but, et c'est un des usages de la parole, c'est de faire mal uniquement et de disqualifier et de priver de voix. D'ailleurs, nombreuses recherches linguistiques sur les injures ont montré que l'efficacité d'une injure raciale en particulier, ou d'une injure sexiste d'ailleurs, et d'ailleurs, beaucoup de femmes féministes et linguistes ont travaillé sur la pornographie et ont essayé de comprendre pourquoi quand une femme dit non, ben certaines personnes ne l'entendent pas comme un non. En particulier, certains hommes ne l'entendent pas comme un non. Qu'est-ce qui fait qu'un non ne peut pas être entendu comme un non? Un non ne peut pas être entendu comme une réplique. Évidemment, c'est dû à un contexte, c'est dû à une culture qui désamorce en quelque sorte la reconnaissance de ce qui est dit comme étant dit. D'une certaine façon, une injure raciale, c'est la même chose. Elle annihile toute prise de parole qui permettrait de réfuter. Et si vous voulez, c'est en travaillant sur des notions comme celle-là, pour essayer de bien comprendre quel mal fait la parole, mais d'un autre côté, une fois cela défini comme limite légitime, tout le reste est permis. Pas de censure préventive, pas de suppression de compte, pas de refus de parole qui ne soit instruit sur un cas très précis avec examen de ce qui est dit, explicitation des intentions des personnes qu'on dit. Donc, si vous voulez, c'est une difficile à tenir, vous avez raison de le remarquer, mais je crois que le principe doit être très clair. Ni censure préventive, ni censure des opinions, et en revanche, lorsque la parole est dite, prononcée, examen très rigoureux,
lorsqu'il y a plainte du mal qu'elle peut faire, avec une compréhension quand même peut-être un peu plus profonde du mal que le simple tort fait à autrui, il me semble. J'aurais plein de trucs, je suis pas d'accord, mais ça fait rien. Dans l'élément de ce que vous avez mentionné, je pense que ce qui nous explose à la figure aussi, avec les réseaux sociaux, c'est qu'au même moment où, par ces réseaux sociaux, on a démultiplié la capacité de prise de parole et, d'une certaine manière, la liberté d'expression, ça arrive à peu près au même moment où nous n'avons plus de maison, on a évoqué ça à un moment donné, on n'a plus de maison commune. Nous n'avons plus de référents philosophiques communs, nous n'avons quasiment plus de langage commun, et donc il y a une espèce de, je ne sais pas si c'est une explosion ou une implosion, mais d'un côté vous démultipliez la capacité de parler, de dire, et d'un autre côté il y a un appauvrissement parce que et alors vous savez, quand vous êtes sur Twitter, alors aujourd'hui on est passé à 240 signes sur Twitter, vous savez, avoir une pensée fine, commencer à dire à l'autre, alors attends, ce que j'entends par philosophie, c'est ceci, donc je vais te dire pourquoi je pense que tu as tort, c'est pas possible. Alors, c'est un travail très intéressant, moi j'essaye d'être extrêmement présent sur Twitter, j'essaye de ne pas manier ni l'injure, ni la disqualification, parce que, aussi dans un des éléments que vous venez de mentionner, il y a aussi un travail de sape qui est fait, mais ça c'est d'une manière générale, sur tout média, quel qu'il soit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à comprendre l'idée, on disqualifie d'office l'interlocuteur en lui mettant une étiquette. Voilà. Et une fois que l'étiquette est mise, alors certaines étiquettes sont terriblement, le jour où on vous dit, vous le pervenard, vous êtes homophobe, vous n'avez plus le droit à la parole. C'est fini. Et c'est définitivement fini. Alors ça pose énormément de difficultés. Je n'ai aucune solution. J'ai quelques éléments sur lesquels j'ai essayé de réfléchir. Je reviens à cette question de l'intentionnalité, mais là je vous rejoins vraiment complètement, c'est-à-dire est-ce que mon intention est bonne sans tomber dans un moralisme étroit ? Je parle de bonté au sens de est-ce que ce que j'essaye de faire est là pour faire grandir ? Ça peut passer par l'humour, ça peut passer peut-être parfois même un peu par le sarcasme, enfin c'est là où il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est est-ce que l'intention que je porte est... J'ai souvent besoin, en tout cas dans la pratique qui est la mienne, des réseaux sociaux, des médias, etc., d'un regard extérieur. Je ne peux pas être juge tout seul, donc j'ai besoin d'avoir autour de moi des gens avec qui je puisse parler, à qui je puisse dire, tiens, je voudrais dire ça, est-ce que c'est sensé ou pas ? Est-ce que ça va passer ou pas ? Est-ce que dans le livre que j'ai envie d'écrire, je veux faire un chapitre sur tel sujet, est-ce qu'aujourd'hui c'est audible ou pas ? D'où l'importance, et là, on rejoint une partie de notre débat, qui est que, avec l'appauvrissement général culturel, sans tomber dans des caricatures, mais qu'on constate quand même autour de nous une forme de communautarisme, pas que simplement sur la race, mais aussi communautarisme intellectuel, parfois, etc. Si on ne prend pas la peine soi-même d'avoir dans son entourage, j'ose dire dans ses amis, des gens qui pensent différemment, des gens qui sont capables de vous contredire, des gens qui sont capables de vous dire même assez violemment ce que tu as écrit là, ce que tu voulais dire là, c'était très con. Et alors, on ne peut pas avancer. Seulement, ça demande effectivement cette capacité d'être contredit, d'accepter que ce qu'on essaye de faire, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'est juste la civilisation, c'est-à-dire c'est juste la capacité à pouvoir se parler. Il y avait eu une session de Philo Monaco sur l'art de la conversation. C'est exactement ça. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une conversation ? Ou, pour le dire avec un mot que vous n'avez pas utilisé, mais qui faisait référence à cela, c'est l'art de la disputatio médiévale et de la polémique dans son sens le plus noble du terme. Moi, je voulais juste dire à Monique, quand elle parle de censure préventive, que tu dis mais pas de censure préventive, moi je commence à être pour. Et le fait qu'on ait supprimé le compte de Trump, ça a provoqué en moi une joie infinie. Et donc je me suis dit, c'est pas bien ce que je pense, mais je le pense quand même. La censure préventive, tu vois Monique, je voudrais juste te dire que la respecter en tant que telle, pas de censure, il ne faut pas oublier qu'elle provoque préventivement des censures. C'est-à-dire que des gens qui voudraient dire quelque chose ne le disent pas, précisément parce que, comme il n'y a pas effectivement de restriction du droit d'expression, mais ils ne diront pas dans leur club de foot qu'ils sont homosexuels. Ils ne diront pas dans leur classe que leur papa, il est policier ou il est noir ou il est métisse. Mon petit-fils n'a pas dit à son ami qu'il était métisse. Parce qu'il dit, oh, bah, après, qu'est-ce qu'il va dire ? Il a 8 ans.
Donc, c'est pas possible. Donc, à un certain moment, il faut quand même qu'on réfléchisse à cette idée de censure préventive. Je veux dire, assez de cons, quoi. Je veux dire, il faut quand même une lutte. Pourquoi tu me montres moi ? Non, parce que je pense à ton livre. Je pense à ton livre. Loin de moi, cette idée. Là, il y a un moment, il y a des urgences, quoi. Je pense, moi, qu'il y a une situation d'urgence aujourd'hui. Et des gens n'osent plus parler. Non, tu disais aucune censure préventive. Oui, je veux alors, pas qu'on interdise aux gens de parler. Voilà, alors si on ne veut pas qu'on interdise, tu dois aussi savoir que le fait que les gens sachent qu'on ne veut pas qu'on interdise, ça veut dire qu'ils ont la perspective d'une bombe qui va leur tomber dessus. Et donc, ils se limitent eux-mêmes. Ils se limitent eux-mêmes et ils ne disent pas ce qu'ils sont, ils ne disent pas ce qu'ils font, ils ne disent pas ce qu'ils aiment, etc., etc. Donc, c'est extrêmement dangereux, ça. Mais il a le droit de dire, de prononcer une injure, il peut le faire, mais ensuite, il est obligé d'une plainte. Mais ça ne se passe pas sous forme d'injure. Parce que l'injure, elle est visible. Faire tout le monde, alors, parce que si tu interviens... Non, je veux faire taire personne. Moi, je veux simplement qu'on contrôle. Le problème de la censure préventive, c'est qu'elle est incontrôlable. Je citerai Tocqueville. Ouais, mais je sais qu'elle est incontrôlable. C'est pour ça. Micro. Je vous avais laissé ce... à traiter des abus de la liberté et je vous retrouve sous les pieds d'un tyran. C'est-à-dire quand on se met à priver de parole avant que ça ait été prononcé, on ne peut pas s'arrêter parce que à ce moment-là, au fond, toutes les paroles peuvent être blessantes, toutes les paroles peuvent susciter un danger qui induit à l'autocensure pour éviter. Donc à ce moment-là, eh bien, le meilleur moyen, c'est de se taire tout simplement. Et ça, je trouve pas du tout que ce soit une bonne chose. C'est risqué, bien sûr, c'est risqué, mais je crois beaucoup en la régulation spontanée. Je crois beaucoup au fait que quelqu'un qui dira une injure, eh bien, il se fera rabrouer, et puis que ce soit par la loi ou par la réprobation ou par une sorte de mauvais jugement social, ça j'y crois beaucoup. Oui, mais madame, excusez-moi, je ne vous ai pas donné la parole tout de suite. Non, non, tout à fait. Moi, je vous remercie de l'avoir dit et rappelé, en effet. Tu veux dire un mot là-dessus ? Oui, peut-être, parce que je trouve que c'est une contribution très importante au débat que nous sommes en train d'avoir. Parce que, en définitive, cette affaire nous rappelle deux choses qui sont des mouvements de très grande ampleur, dont nous sommes en fait en partie les spectateurs, bien que nous essayons encore d'avoir notre mot à dire. C'est la première chose, c'est la migration des pouvoirs. Là, on parle d'une société privée, comme vous le rappelez, qui prend une décision qu'elle est habilitée à prendre, mais qui a une ampleur, un impact tellement grand qu'on pourrait la comparer à une loi. Sauf que, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas d'un État, c'est une décision qui est, comme on dit en français, le fait du prince. Sauf que quand on dit ça à Monaco, on se dit... Il y a moyen... Non, mais on se dit, il y a peut-être moyen... de penser des formes politiques qui incluent des princes, mais qui ne sont pas non plus arbitraires. Or, qu'est-ce qui se passe dans des sociétés privées de ce volume ? C'est justement que, faute d'avoir prévu l'ampleur de leur croissance, on se retrouve avec des princes qui n'ont pas été préparés, en quelque sorte. C'est-à-dire, et c'est pour ça que les dire... Oui, mais qui ne sont pas légitimes, après... c'est pas sûr que les monarchies se soient établies sur des. Enfin, la question de la légitimité,
Vous savez qu'il y a la série Game of Thrones qui en a fait justement 8 saisons de grands problèmes pour savoir qui est l'héritier légitime du trône. Donc cette question de la légitimité, elle est très délicate, elle ne peut pas se régler facilement. Je ne dis pas que Facebook et Twitter sont des princes légitimes de notre monde, je dis qu'ils ont un pouvoir qui est désormais comparable à des choses, alors que les États existent encore. Donc on n'est pas... les États n'ont pas encore complètement disparu, mais pour autant, il faut se souvenir que le droit international, aujourd'hui, n'est encore qu'une utopie. Ça fait longtemps qu'on en parle, hein, ça commence avec Grotius, c'est-à-dire au début 17e, mais le droit international, pour l'instant, ça marche encore pas très bien. Donc, c'est cette chose-là qui se joue. Et je voudrais aussi dire, en réponse à la question précédente, que précisément cette situation dans laquelle nous nous trouvons impose aux philosophes de penser différemment, c'est-à-dire pas nécessairement dans des termes universels. Puisqu'en fait, il va falloir se situer d'une manière pragmatiste. D'ailleurs, au début du XXe siècle, il y a toute une école de philosophie qui a essayé de rétablir en fait la philosophie sur ce terrain-là, c'est-à-dire dans quelles circonstances, qui, pourquoi, pendant quelle durée, et ainsi de suite. Il me semble que sur des questions de liberté d'expression comme ça, il va falloir aussi apprendre à penser d'une manière nouvelle, d'une manière pragmatique, où justement nos concepts peuvent difficilement s'appliquer urbi et orbi, comme on dit, c'est-à-dire universellement, mais plutôt essayer d'avoir des propos très, très spécifiques. Ça, c'est difficile à faire, mais je crois que ça fait partie des défis que nous lance justement l'époque contemporaine. Tout à fait. Encore quelques questions ? Bon, ben alors moi, je voudrais simplement vous dire, vous inviter demain à midi, entre midi et 14h, on parlera du mal-être au pluriel, je ne sais pas si ça se dit ça, des enfants et des adolescents, donc avec des spécialistes, des psychiatres, des psychologues, sur les affections, ce qui atteint aujourd'hui nos jeunes enfants, et on en parlera donc pendant 2 heures. Je vous remercie beaucoup j'aimerais bien terminer sur un truc rigolo, parce que sinon c'est pas drôle. J'en avais préparé un, Robert. Si, il y avait un truc qui me vient à l'esprit, c'était un condamné à mort qui est amené donc à l'échafaud, et le bourreau lui dit gentiment, écoutez, on peut encore satisfaire l'un de vos vœux, quel est votre vœu? Et lui il dit, je voudrais apprendre le chinois. Donc voilà. Merci beaucoup, bonne soirée et à une prochaine fois. Merci.